Bonjour les gens, ici Mérimé et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur Pokémon Rouge Hyper Mode. La dernière fois, nous sommes arrivés à Parmani et nous nous sommes directement dirigés vers le parc Safari afin de faire quelques captures et surtout de récupérer quelques objets dont vous les voyez ici, donc la CS3, donc Surf, que j'ai obtenu à la fin. Vous voyez également que j'ai récupéré la Mega Can qui se trouve normalement au sud de l'avant-ville. Donc cette zone est un peu morte puisque j'ai dû affronter le Ronflex de la zone. Donc cette zone est considérée comme incapturable. Je n'ai pas capturé le Ronflex en question, donc comme ça c'est réglé. Nous avons également récupéré la dent en or du gardien que l'on va immédiatement donner. Donc il se trouve voilà, sur la gauche. On donne la dent d'or au gardien et il va nous remettre force. Je pouvais plus travailler, quelle horreur. Tiens, voilà pour toi. Et donc on récupère force. Au niveau de l'équipe, vous le voyez. Voilà, vous le voyez, pardon. Neptune, donc l'hypocéan est resté niveau 22, je ne l'ai pas entraîné. Tout simplement parce que hypocéan, je l'aime pas spécialement, je l'avoue. Et donc du coup, ce qui m'embête, c'est qu'il est surtout utile pour surf. Et donc du coup, si je peux le changer, je le changerai. Donc pour l'instant, on va en profiter, voilà, pour apprendre force à quelqu'un. Alors, qui peut... Shadow. Regardez, un seul peut apprendre force, Shadow. Le plus fort automatique de tous. C'est quand même un comble de l'ironie. Alors du coup, on va retirer Frappatlas, parce que Frappatlas, c'est plus assez puissant, on va dire. Et on va lui donner force. Du coup, on va activer force immédiatement. Voilà, il peut bouger les rochers. Et on va récupérer l'objet qui était donc... Oh, une hyper potion. Donc on va récupérer encore plus d'hyper potions, c'est bien. Niveau des objets, vous avez eu le temps de le voir tout à l'heure. Nous avons acheté des... Enfin, j'ai acheté des hyper balls. Donc j'ai vendu toutes mes super balls que j'avais. J'ai gardé uniquement les objets les plus intéressants. Voilà, la guérison que j'ai récupérée, l'hyper potion, les total soins, tout ça. Donc pour l'instant, tout baigne. Et là où se pose une vraie question, je ne déconne pas, c'est que faire ensuite. Bon, déjà, affronter Koga, c'est évident. Puisque sans Koga, je ne peux pas utiliser Surf et donc je ne peux pas progresser. Cependant, après, plusieurs routes vont s'offrir à moi. Je peux... Alors, je voulais garder un peu surprise, mais bon, je vais pas pouvoir. Ce serait soit d'aller chercher les légendaires. Attends, je vais... Pour ceux qui se demandent ce qui se passe, en fait, je vais simplement stocker la Pokéflûte. Parce qu'elle va pas me servir à grand chose, en fait. Donc, je disais, soit je vais chercher les légendaires, donc Elector et Articodin. Bon, logiquement, Elector et Articodin, après, c'est pas dit que ce soit eux. À la centrale et aux îles écumes. Ou alors je vais directement voir comment il s'appelle, Auguste, voilà, Auguste de Cramoisil. Et je vais direction le manoir Pokémon, voilà. Et donc du coup, là se pose toute la question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais donc chercher les légendaires, même s'ils sont un peu sur level, puisqu'ils vont être, je crois, level 50, alors que je suis à peine niveau 35 environ. Donc forcément, je serai un peu over level. Ou alors, est-ce que j'attends? Genre, est-ce que j'attends d'avoir vaincu le dernier champion, et à partir de là, avant de partir à la ligue, aller chercher les légendaires, faire ma team, et pour aller au plateau Indigo. Alors, bon, on en profite pour l'instant, on affronte un Magmar. Bon, ça va, type feu. J'ai Foudrolis qui maîtrise Mazdos, voilà, coup critique. Alors, j'ai mis Foudrolis devant, pourquoi? Tout simplement parce que c'est mon Pokémon le plus rapide qui existe. Et donc, forcément, je vais pas me gêner pour l'utiliser. Allègrement. Donc, Starry, parfait. Du coup, Méga Sensu. Bim! Ça c'est fait, one shot, coup critique. Voilà, donc je vais quand même commencer à me la jouer un peu plus bourrin, moins essayer de prendre de risques et tout ça, y aller vraiment franco, hein, sans aucune forme de pitié.
Alors, masse d'os, sans problème. One shot, voilà. C'est la technique de tant que ça marche, on l'utilise. Voilà. Alors, le dernier, ce sera un rhinocorne. Bon, bah, voilà. Foudrelire a fait tout le boulot pour le premier dresseur. Alors, méga sensu. Alors, concernant l'arène de Koga, c'est une arène un peu spéciale puisqu'on trouve des murs invisibles qui va forcer, alors généralement, si on a des mauvais yeux, à devoir, on va dire, suivre les murs invisibles. Alors qu'en réalité, ils sont pas assez invisibles que ça. Et pour le voir, vous voyez bien sûr qu'il y a des points au milieu des lignes bleues, et ces points indiquent bien sûr les murs en question, et donc ça devient beaucoup plus facile de les esquiver une fois qu'on arrive un peu à les percevoir. Là par exemple vous le voyez, hop, je peux descendre, et normalement voilà, vous aurez que deux dresseurs à affronter avant Koga, pour autant qu'on sait regarder, voilà. Après, tout dépend ce que Koga va avoir, et parce qu'il pourrait nous poser problème. Hein. Et ce serait un peu dommage. Alors, on affronte Topicker. Bon. Faudrolli, niveau 34 pour 35 quand même, hein. Ça commence à se la jouer un peu serré. Donc, méga sensu, pas de problème. Hein. Le type plante fonctionne bien. Coup critique, encore. Voilà, donc, le Topicker, c'est fait. Faudrolli monte au niveau 36. Bon, c'est parfait. Jongleur fait appel à Rafflesia. Là, ah bah sinon, j'ai Rafflesia, je peux pas le gérer. Ah, mais si. Si, si. Autant pour moi. Rafflesia, je peux la gérer maintenant. Point de feu. Voilà, hein. J'ai vraiment de quoi gérer beaucoup de Pokémon. Hein. Rafflesia qui tente des vos rêves. Bon, c'était un peu peine perdue. Donc, on est plutôt bien là. La team, elle est plutôt confortable. Foudrelli est bon. Shadow est très bon aussi. Donc pour l'instant, je me sens tranquille. Voilà, on va dire, si on regarde un peu l'équipe que j'ai, voilà, Foudrouli est bon, Pandora est un peu légère, parce que si vous voyez au niveau des stats, elle est plus douée dans le physique que le spécial, et malheureusement je lui ai appris Psycho sans le vouloir, enfin sans le faire exprès. Neptune, bon, on s'en fout un peu parce que c'est pas le meilleur Pokémon. Alors concernant Indoon, là c'est une grosse question que je vais me poser, c'est qu'elle est déjà basée sur la spécialité. Et malheureusement, toutes ces attaques sont plus du physique. Et ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que je ne vais pas retirer cet Articodin là pour prendre l'Articodin légendaire fixe qui se trouve dans les îles Écume. Et enfin, on a Gillette, donc qui est, on va dire, le Pokémon qui me sert à capturer les Pokémon. Bon physique, donc du coup, les attaques spéciales sont plus faibles et me permettent, on va dire, d'affaiblir un peu les Pokémon. Alors maintenant, du coup, on a Foudrelier, on est toujours devant, c'est parfait. Un nain rose me défier, moi le grand, le beau, le terrible Koga, par l'enfer, par le sang, par l'acier. J'ai envie de sortir une connerie, mais je l'ai pas, ça, j'ai pas pu la trouver. Je vais gagner, puisse la poigne de mes poisons pétrifiés de peur, la paix de tes petits Pokémon. Alors c'est un champion donc de type poison qui rejoint qui rejoindra d'ailleurs la ligue des l'élite 4. Dans la génération suivante, laissant le soin à sa petite fille, je crois, ou à sa fille de prendre le relais. Alors, Tortank, méga sensu. Mais autrement, la version normale de Koga n'est pas si impressionnante que ça. Tout simplement à cause des Pokémon poison qui sont ultra efficaces. Et surtout qu'avec un Pokémon Psy et un Pokémon Sol, c'est bon, on peut facilement. On recte toute sa team en quelques minutes. Alors du coup, Koga a utilisé une attaque plus, ce qui est une grosse connerie. Alors il utilise tranche à 100% critique. Voilà, donc vous voyez, j'ai perdu quand même la moitié de ma vie. Mais bon, je me plains pas, c'est pas gênant. Voilà, je regagne un tout petit peu de vie, suffisamment pour repasser dans le vert. Foudrelli gagne 1665 d'XP quand même, hein. Dès qu'on tape sur les champions et les Pokémon évolués, ça donne masse d'XP. Alors, qu'un artichaut. J'ai moins de choses pour le gérer, par contre, qu'un artichaut. Donc, on va mettre Indoon. Puisque tant qu'à faire, autant utiliser les Pokémon qu'on n'utilise pas, hein, pour prendre un peu de risque quand même. Et puis, comme on dit, si Indoon meurt, bon, c'est triste, mais on pourra en récupérer une autre.
Et vous voyez quand même que le canard artichaut est niveau 39, hein, donc je déconne pas, il y a quand même 7 niveaux d'écart. Hein. Donc du coup, croc de mort. Et je suis quand même plus rapide que le canard artichaut. Hein. Canard artichaut lance charge, d'accord, waouh. Mon dieu. J'essaie de faire en sorte de rendre la tâche un peu plus compliquée avant de passer sérieux. Et lui, tout ce qu'il va sortir, c'est ça. Un canard avec un poireau qui lance charge, niveau 39. What? Eh bah putain. Je suis un peu déçu, j'admets. Le canard artichaut ennemi KO, Indun gagne 784 points d'XP. Alors Koga fait appel à Parasect. Parasect, insecte poison, je crois. Au moins insecte. Donc du coup, vol. Alors Flamèche. Oh, Flamèche aurait pu faire mal. Flamèche aurait pu faire très mal contre Indun. Même si bon, Flamèche, c'est pas une attaque puissante, ça tape quand même sur la faiblesse, hein, donc ça passe. Koga va faire appel à Sablero. Alors oui, la Sablero, par contre, je suis obligé de changer. Et on va mettre Gillette. Niveau 43, là, par contre, ça déconne pas. Hein. Il y a 10 niveaux d'écart. Heureusement, je suis quand même bien équipé. Hein. Je suis quand même... J'ai 10 niveaux d'écart et je suis quand même plus rapide que le Sablero. C'est quand même parfois ridicule. Hein. Il suffit d'un Pokémon et puis ça devient n'importe quoi. Bon, du coup, Bulldo. Voilà. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Sablero est l'un des rares... Je crois que c'est l'un des rares Pokémon. Si ce n'est pas le Pokémon, il ne peut pas apprendre d'attaque de son type dans la première génération. C'est-à-dire que normalement, il est censé apprendre des attaques de type sol, mais il n'en apprend pas. Je spam les Bulldo. Je pense pas que j'ai trop à craindre. Ouh, le point glace. J'ai peut-être été un peu vite. Ouh. Le point glace avec un coup critique, ça m'aurait foutu Gillette dehors sans problème. Ça aurait pu être vraiment problématique. Bon, Koga a été vaincu. Voilà. Ah, t'as prouvé ta valeur. Ouvre ta mimine, car voici le badge âme. Et il gagne 4257 Pokédollars. Le badge âme fera monter la défense de tes Pokémon. Il te permettra aussi d'utiliser Surf. Attends, prends ceci aussi. Alors c'était 06 qui est censé être toxique. Cette technique secrète et sacrée est vieille d'au moins 400 ans, je te jure. Alors du coup, on va voir ce que ça nous donne. Hein. Alors la CT06, ça contient point glace. Oh oui, point glace, c'est bien ça. Et beaucoup de monde peut la prendre, sauf Pandora. C'est con. Alors je vais la garder parce que point glace, je sais pas à qui je la prendrai. Surtout qu'une fois arrivé, on va dire, à la route Pokémon, enfin du moins à la ligue, je n'aurai plus besoin de surf avant la grotte inconnue. Donc je pense qu'il y a moyen de changer un peu l'équipe avant toute chose. Par contre, ce que je voulais faire déjà, c'était apprendre. Alors c'était 04. Non, Forge, j'ai déjà appris. Je suis con moi. C'était surtout les stocker. Alors PC de Léo. On va donc. Non, PC Mérimé pour PC de Léo. Donc on va stocker donc nos CS. Alors la CS3, donc surf. On va stocker ensuite force. On va stocker ce que j'ai vu, c'était la limonade. Voilà. Et maintenant on est plutôt pas mal. Donc maintenant il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes. Et la question c'est qu'est-ce que je fais? Donc je pense que déjà je vais soigner mes Pokémon, ce serait une bonne idée. Et surtout je vais aller direction Bourg-Palette pour aller à Cramoisil. Je pense que je vais opter pour ça parce que si j'y vais maintenant à la centrale, bah déjà la centrale est très courte, donc je pourrais avoir Elector en 5 minutes. Par contre, Articodin sera beaucoup beaucoup plus long à avoir parce qu'il faut traverser toutes les îles écumes et les îles écumes sont assez longs à traverser puisqu'il faut tout un système de rochers à mettre en place pour pouvoir traverser le courant. Donc pour l'instant on va se contenter. Donc je vais remettre Gillette devant. Et donc Indun, on va voler direction Bourg-Palette et on va descendre dans le sud.
afin d'aller capturer d'autres Pokémon, mais surtout d'aller à Cramoisil pour affronter le prochain prochain champion, hein, donc Auguste. Alors, ici on se trouve où? Chenal 21. D'accord. Donc on peut capturer d'autres Pokémon ici, ce que je vais faire, hein, en l'occurrence. Et ce sera un Rattata. Niveau 30 quand même, hein. Alors du coup, gros bisous. Loupé. Oula. Oula. Ouais. J'ai de dodo. Oh là là. Oh, le Rattata qui se rebelle. Tac, tac, tac. Et les gros bisous. Putain, il veut pas, hein. Le Rattata qui veut pas dormir. C'est qu'un Rattata, il va me poser plus de problèmes que d'autres Pokémon. Imaginez, hein. Il veut pas. Ouais, il veut pas. Puis alors là, du coup, j'y étais, commence à être en mauvaise posture. Donc, du coup, eh ben, on va taper un peu plus fort. Hop, Bulldo. Voilà. Déjà, on rattrape notre retard. Un Rafapsi devrait faire 10 points de dégâts. À peu près. Et du coup, on balance l'Hyper Ball. 1, 2 et 3. Voilà, c'est fait. Alors d'ailleurs, vous remarquerez que l'Hyper Ball tourne sur elle-même avant de toucher le Pokémon. Hein. C'est chose que j'ai trouvé assez drôle. Alors, on va lui donner un petit surnom. Et je vais l'appeler Régis. En référence... Oula. Au fameux Rattata qui est sans, du Régis, qui est, enfin, du rival qui est censé être mort. Et maintenant, un petit coup de surf. Et on redescend. Par contre, est-ce que j'utilise un repousse? Oh, non. Il y a quelques dresseurs, mais ils sont assez faciles à esquiver, donc c'est pas gênant. Et évidemment, il n'y a pas grand monde sur la route. Ah si, un Pokémon quand même. Oh, un Aquali, tiens, j'aurais peut-être dû prendre un Aquali, tiens. Ou par contre niveau 5. Oula. Effectivement, ça aurait été très dur à capturer. Hein. Par contre, c'est bizarre quand même parce que... objet, carte. On est sur Chenal 21. Chenal 21, on ne peut y accéder uniquement qu'à partir d'un certain moment. En fait, c'est à partir du moment où on a surf. Surf, on l'obtient assez tard dans le jeu. Donc, normalement, cette zone-là, on n'est pas censé trouver des Pokémon aussi faibles. C'est assez bizarre quand même. Normalement, on devrait trouver des Pokémon un peu plus forts. Ce qui m'étonne quand même pas mal. Ah, voilà. Donc, nous voici à Cramoisil, avec sa fameuse arène complètement verrouillée. Mais il y a surtout des choses à récupérer. Pokémon. Oui, il y a des choses à récupérer, notamment l'utilisation des fossiles. Pour ceux qui se rappellent, alors, on va retirer un objet. Alors, on va récupérer... Non. Alors, on va récupérer le fossile dôme. Et on va récupérer le pied ambre. Qui sont censés donner, je crois, c'est... Alors, le dôme, c'est Kabuto, et... Ou c'est l'inverse, ou c'est Amonita, je sais plus. Non, c'est le labo que je veux voir. Voilà. Donc, on va aller voir le labo, et on va voir quel Pokémon il pourra nous donner. Sachant qu'on pourra garder qu'un seul des Pokémon. Est-ce que ça sera pas celui-là? Évolue en trois types de Pokémon différents. Sauf que maintenant, ça a été prouvé qu'il évolue en 3, 5, 6, 7, 8. On va passer quand même jusqu'à 8. Hein. Alors, salut. Je suis un scientifique très sérieux. J'étudie les fossiles anciens de Pokémon. Toi là, tu aurais pas un fossile pour moi? Alors, j'ai un fossile dôme. C'est un fossile de Terra. D'accord.
Ok. Donc, en fait, le vieil ambre qui est censé donner Ptera, finalement, ne donne pas Ptera, mais c'est le fossile dôme qui donne Ptera. Et du coup, le vieil ombre, il donne quoi? Ossatueur. Hein? Elle va faire ranimer ce Pokémon. Ossatueur ou Ptera? On va aller avec Ptera, je pense. Oui, le fossile dôme, c'est un fossile de Ptera. Ok. Tout gros, il fait moi ça. Ça va prendre un peu de temps, traîne pas dans mes pattes, va faire un tour. Donc du coup, voilà, on lui a donné le vieil ambre. Le vieil ambre, le fossile dôme, parce que du coup, je me suis planté. Et du coup, on va récupérer un Ptera. Alors, le Ptera est legit, puisqu'on le récupère logiquement dans le labo Pokémon. Donc, à part de Cramozil en lui-même. Et donc, du coup, on pourra l'utiliser sans problème. Alors, chose qui me fait sourire quand même, c'est que on a récupéré deux fossiles, et ces deux fossiles permettent en l'occurrence de récupérer soit un ossature, soit un Ptera, ce qui reste au final assez logique. Puisqu'après tout, je veux dire, ossature, c'est un fantôme, il a un squelette sur le. Enfin, il a un crâne sur la tête et tout. Oupa, pardon. Oh là, j'ai un peu mal au ventre. Alors, max repousse. Oh oui, on va en avoir besoin. Une petite dizaine. Voilà. Voilà, donc on prend quelques max repousse. Et donc, du coup, il nous reste 3 minutes. La question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'attaque au manoir? Ou pas tout de suite? Je vais capturer un Pokémon ici. Voilà, parce que du coup, ici, on se trouve donc sur une autre zone, donc le chenal 20. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises... Voilà, chenal 20, Zigzagoon... Ah, le chenal 19 qui se trouve à l'est, donc au sud de Parmani. Ah, il est jouable aussi, hein. Donc du coup, on va récupérer un autre Pokémon... qui sera un chenipan, sauf que le chenipan je l'ai déjà. Si vous vous rappelez, je sais plus comment il s'appelle, mais on a déjà un chenipan. Donc, par la logique des jeux, bah du coup, je ne suis pas obligé de le capturer. Par contre, je vais quand même soigner Gillette, parce que sinon ça va être un peu la merde. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, tu peux capturer des Pokémon du parc Safari directement ici sur la côte de Cramoisil. Alors c'est vrai. Je pourrais, mais ça m'intéresse pas. Tout simplement parce que, bah... Pourquoi je me ferais chier à tenter de capturer un Pokémon? En plus, j'ai déjà capturé 3 Pokémon sur 4 à Cramoisil, donc c'est plutôt pas mal. Bon, alors, encore un Chenipan. Bon, bah, décidément, le Chenipan a décidé de me troll. Donc, c'est pas grave, hein, y a pas de problème. On peut continuer. Alors, j'ai pas utilisé de repousse, donc du coup, normalement, je devrais trouver un Pokémon assez vite. J'espère, parce que ça commence à être un peu long. Et ce sera un caillou. Bon, bah, pourquoi pas. Niveau 15, par contre. Donc, du coup, ça va être un peu juste. On va tenter la technique directe. Hein. Ah, non, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Oula, Ragueux qui maîtrise tonnerre. Ok, il a 15 niveaux de différence. Donc, ça va, c'est pas trop grave. Mais bon, j'avoue que... J'avoue que c'est dangereux quand même. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur Neptune, parce que du coup, c'est celui qui est encore assez faible. Oula, sauf que c'était peut-être une connerie. C'est peut-être une connerie. Non, ça va. Alors du coup... Ah oui, c'est vrai qu'en plus, Neptune maîtrise une technique de sommeil. Donc du coup, je peux utiliser Neptune aussi efficacement que prévu. Du coup, tranche. Voilà, alors pourquoi tranche? Tout simplement parce que si je fais point de feu, à mon avis, je vais lui faire un peu mal. Quoique là, je pense que point de feu pourrait passer. Après tout, c'est un type proche. Il n'est pas sensible. J'ai dit ça, mais il est quand même pas passé loin de la casse, hein, le Ragaillou.
Alors, 1, 2 et 3, c'est dans la poche. Du coup, maintenant, la question, c'est... Qu'est-ce qu'on va lui donner comme surnom? On confond souvent avec un petit caillou. Donc, on va lui donner un surnom. Et on va l'appeler... On va l'appeler... Parce que j'en ai rien à foutre, parce que je vais jamais l'utiliser. Alors, je sais pas si c'est écrit comme ça. On va l'appeler Caillasse. Voilà. Parce que ce sera comme ça. Donc, du coup, direction centre Pokémon, on va soigner tout le monde. Et au prochain épisode, on va s'attaquer au manoir Pokémon. Puis à l'arène de Cramoisil. Et si on est assez bon, et si on a le temps, on fera peut-être l'arène de Jadiel. Donc, deux champions en une fois. Comme j'avais fait lors de l'épisode 8. Où j'avais cassé le jeu, où j'ai eu le temps de faire deux champions. Et donc je vais me mêler à la foule, et voilà. Donc je vais sauvegarder, comme prévu. Voilà, la sauvegarder a été partie. Voilà, comme on dit, hein. Et donc sur ces mots, je vous dis à bientôt. Et je vous revois la prochaine fois pour la suite de Pokémon Rouge Hyper Mode. Allez, portez-vous bien.